Neuf mineurs du Nord en visite à Paris sont venus s'incliner devant la tombe du soldat inconnu. Neuf mineurs appartenant à la même famille et dont les aînés, les sept frères Flancard, furent mobilisés en 14-18. Après avoir rendu hommage à celui qui fut leur compagnon d'armes, les mineurs du Nord ont été officiellement reçus à l'Élysée. En l'absence du président de la République, le secrétaire général de la présidence, M. Forgeau, devait leur remettre un vase de Sèvres en échange d'une lampe d'avis. Totalise 245 années de travail au fond et arbore fièrement 6 médailles d'argent ou de vermeil. Pour toutes ces raisons, ils méritaient l'accueil que leur a fait le public parisien et la radiodiffusion française. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous présenter maintenant trois générations de mineurs. Le grand-père, le fils, le petit-fils, et derrière le grand-père se trouvent les six frères du grand-père qui, eux aussi, ont consacré toute leur vie à la mine. Alors, messieurs, nous sommes heureux de vous serrer la main et de vous remercier au nom de nos amis. Merci infiniment. Merci à tous les trois. Une modernisation intensive a été réalisée au fond de la mine où la machine s'est mise au service de l'homme pour faciliter son travail et accroître le rendement. Mais la modernisation ne s'arrête pas là. Dès qu'il arrive à la surface, le charbon est acheminé vers les installations de préparation. Voici dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, où ont été prises toutes les vues que vous voyez, un criblage moderne où le charbon est classé automatiquement par calibre. On voit distinctement que chaque couloir ne livre passage qu'à des morceaux de même volume. Et voici un atelier de lavage. Ces installations récentes bénéficient des tout derniers progrès techniques. Pour débarrasser définitivement le charbon de ses éléments stériles, on a recours à divers procédés. Le principe utilisé est fondé sur la différence de densité du charbon et des pierres. Leur séparation s'effectue dans des bacs à pistons par une agitation permanente de l'eau. Les stériles ou résidus des lavoirs sont déversés sur des terrils. Avant d'être expédié, le charbon passe sous de puissants jets d'eau qui le débarrassent de toute poussière. Puis, il est déversé dans des wagons d'expédition par des spirales pour éviter que les morceaux calibrés ne soient brisés. Il arrive fréquemment que du charbon abattu à 7 heures du matin soit trié, épuré, lavé, classé par calibre à 9 heures et expédié à 10. Pendant les opérations de lavage, il se forme une troisième série de produits intermédiaires entre les produits livrés à la clientèle et les stériles. C'est dans les nouvelles centrales électriques construites sur le carreau même des mines que ces bas produits trouvent leur meilleure utilisation. Les charbonnages français produiront bientôt 10 milliards de kilowatt-heures par an, dont plus de la moitié sera livrée au réseau général. Un matin de printemps à Paris, c'est la grande fête du soleil et de l'eau. Les oiseaux chantent et l'on voit sortir de leur nid les célibataires. La nuit a dû être tumultueuse, notre ami Jean Carmé ne semble pas dans sa meilleure forme. Heureusement, son itinéraire habituel passe, oh tout à fait par hasard, par le vin bois charbon du quartier. Oh, oh. 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 Tu peux pas faire attention, non? Ben, alors, quoi, ouais. Bonjour, madame bois et charbon. Ben, j'ai bonne mine, moi. Bonne mine de charbon, évidemment. Mais il ne faut pas perdre de vue que la fonction première du bougnat est de livrer du charbon. Il s'en va, poussant sa petite charrette, tout noir dans le soleil. Le progrès, cependant, poursuit sa marche. Il met à la disposition du public des moyens de distribution ultra-modernes. Ici, les sacs, emplis mécaniquement, sont pesés devant la cliente et transportés dans les meilleures conditions. Et avec ça, madame... Les chantiers, eux aussi, se sont modernisés. La manipulation est réduite à son strict minimum.
Voyez avec quelle précaution est traité Sa Majesté le boulet. À peine les wagons sont-ils déchargés que déjà le combustible est mis en sac mécaniquement et expédié. Et voici un nouveau dispositif de livraison qui permet de faire descendre dans une cave plus de 6 tonnes de charbon en moins d'une minute. Rien de plus simple, mais il fallait y penser. Changement de décor. Le sous-sol d'une villa. Grâce à cette nouvelle chaudière super automatique, le chauffage est devenu un jeu d'enfant, ou plutôt de dame. Hop, un coup de levier pour le décrassage. Dans le vestibule, un simple regard au thermostat pour régler le chauffage de toute la maison. Hop, un nouveau coup de levier pour évacuer les cendres. Cette manette coupe le chauffage pour l'été, mais pas l'eau chaude. Vous vous absentez, prenez d'avance rendez-vous avec la chaleur. Il y a quelques semaines, les Charbonnages de France lançaient un emprunt placé sous le signe équipement et productivité. Cet emprunt obtint un plein succès. Nombreux sont les Français qui ont souscrit, manifestant ainsi la confiance qu'ils placent dans leur industrie houillère. Pathé Journal a réalisé à cette occasion un remarquable reportage. De l'échelle des activités agricoles et industrielles, le mot productivité est devenu le mot d'ordre grâce auquel on espère revivifier l'économie nationale et relever le niveau de vie des Français. Qui dit productivité dit état d'esprit, méthode, technique nouvelle permettant d'accroître le rendement et par là même d'abaisser le prix de revient et d'augmenter les salaires tout en rendant le travail moins pénible. L'exemple de l'industrie houillère nous permet de dégager les règles d'or qui président à l'accroissement de la productivité. Facteur de productivité, le groupement dans une entreprise unique, la concentration industrielle autour des carreaux de mine. Facteur de productivité, l'abandon progressif des moyens d'extraction archaïques, la modernisation de l'outillage mis à la disposition des mineurs depuis la simple lampe jusqu'au matériel d'abattage. Facteur de productivité, la mécanisation du travail. Facteur de productivité, enfin, les primes de résultat. Pour toutes ces raisons, le rendement indice qui était de 926 kg en 46 est passé en 51 à 1307 kg. Tel est l'exemple de l'esprit de productivité qui nous est donné par l'industrie houillère française. Cette jeune femme qui pénètre dans l'enceinte de la piscine Édouard Pailleron n'est pas une baigneuse comme les autres. C'est une championne de France, Monique Berliou. Et l'on voit que le charbon apporte aussi sa contribution au sport. Voici l'envers du décor. La chaudière perfectionnée qui assure le chauffage de l'eau où nos championnes vont prendre leurs ébats. Monique Berliou sort de sa cabine accompagnée de Josette Arène-Delmas, championne de France de nage libre. Pas le temps de se demander si l'eau est bonne. Attention, partez! Et c'est ainsi que nos championnes de natation peuvent s'entraîner hiver comme été. Madame qui vous chauffez au bon soleil d'été, vous rappelez-vous ce qui vous est arrivé l'automne dernier? Le froid brusquement est apparu. Quoi? Vous n'avez plus de charbon? Trop tard, ma pauvre dame, tout est vendu. Eh oui, vous avez payé cher votre légèreté. Aussi, cette année, avez-vous retenu dès l'été la quantité et la qualité du charbon qui vous est nécessaire. Gouverner, c'est prévoir. Mieux qu'un conseil, une bonne affaire. Achetez en été votre charbon pour l'hiver. Hein?
Distiller dans un four à coque pendant 18 heures à 1400 degrés une tonne de charbon fourni. 315 mètres cubes de gaz, d'où l'on extrait notamment les goudrons, matière de base de la chimie moderne. Et 760 kg de coque, élément indispensable pour la fabrication de la fonte. Or, un événement capital est intervenu dans l'est de la France. On a trouvé le moyen de fabriquer du coke, dont la sidérurgie lorraine a un si grand besoin, à partir des charbons lorrains et sarrois, jusqu'alors réputés impropres à cette utilisation. Sur les gisements de fer et de charbon, on a entrepris la construction de coqueries qui produiront plus de 5 millions de tonnes de coke par an et plusieurs milliards de mètres cubes de gaz qui ne peuvent être tous consommés sur place. Aussi a-t-il été décidé dans l'intérêt général que le surplus de gaz serait pris en charge à Pont-à-Mousson par Gaz de France, qui de là l'achemina sur Paris par une conduite de plus de 300 km de long. Ainsi, en 1954, le quart de la consommation en gaz de Paris sera fourni directement par la Lorraine.